هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Salut à tous, bonsoir, merci de nous rejoindre, chers fidèles téléspectateurs, pour ce nouveau numéro de CAN 24 consacré à la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui bat son plein après le premier tour, un premier tour qui a connu une formule de championnat, mini-championnat. Seuls les rescapés jouent cette phase à élimination directe. On reviendra bien sûr sur tous les huitièmes de finale et la compétition est rude sur ces huitièmes de finale. On le voit, les matchs sont serrés et triqués. On voit du beau jeu, du spectacle, de l'excitation, de l'émotion, des buts et des surprises aussi. Mais avant cela, nous allons revenir d'abord sur la performance et la prouesse du handball algérien qui se sont qualifiés pour le mondial, mais pas encore pour les JO. Ils ont terminé deuxième au championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué en Égypte. Pour m'accompagner aujourd'hui, Hakim Medden, bonsoir. Heureux de vous retrouver comme chaque lundi, la coqueluche de Al 24. Bonsoir, Sid Hamed. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Mahamar Djebour, qu'on retrouve avec plaisir à vos côtés, merci. Hakim. C'est toujours un plaisir. On rappelle que Mahamar était à Bouaké, du côté de la Côte d'Ivoire. Le grand retour. Le grand retour de Mahamar Djebour. Il est un peu fatigué. Deuxième ville de Côte d'Ivoire. Vous êtes un peu fatigué, Mahamar. Oui. C'était difficile? Non, c'est pas, il faisait chaud. Abidjan est très agréable. Bouaké, les gens sont bienveillants, très gentils. Bon, c'était un peu dur, mais ça allait ensemble. Ça allait, très ouais. Bien. On est content de vous retrouver, en tout également. Cas. Donc, avant de parler football, mesdames et messieurs, on va tout de suite se pencher sur cette Coupe d'Afrique des Nations de handball qui s'est jouée en Égypte. Et encore une fois, nos handballeurs, 10 ans après leur dernière finale, reviennent sur le podium à la deuxième place. Tout le mérite revient aux joueurs et au travail qui a été accompli par la fédération sur ces derniers mois, sur ces dernières semaines, pour retrouver l'élite du handball africain. Je rappelle que nos handballeurs ne sont pas encore qualifiés pour les JO de Paris et devront jouer un mini-tournoi du 14 au 17 mars avec quelles équipes, messieurs? Ça sera l'Allemagne, l'Autriche et la Croatie. C'est ce qui se fait de mieux sur le continent européen. Donc j'espère que nos Verts seront au rendez-vous. Mais c'est déjà une réussite, Mahamar Djebour, le fait d'être tout de suite revenu sur le plan continental et d'avoir pris cette deuxième place dans le championnat d'Afrique qui s'est déroulé en Égypte. C'est très bien de terminer deuxième, parce que ça vous revenez sur le podium. Je me rappelle, il y a 10 ans, c'est l'Algérie qui organisait la Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie battait la Tunisie en finale. 10 ans plus tard, on termine deuxième face à ce qui se fait de mieux sur le continent, 6e mondial dans les 10 premiers, l'Égypte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est bien, oui, le résultat est là. Mais il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. La réalité en handball, elle est tout autre. Ça, il y a eu, tout d'abord, la fédération a vécu une crise, puisque l'entraîneur a été débarqué, ça la bouche cliou. Dès qu'il y arrive, il a réussi à prendre, il a pris le train en marche, il a continué, ils ont mené l'équipe à bon port. Mais aujourd'hui, cette deuxième place ne doit pas nous faire oublier qu'une réforme doit être engagée concernant le handball. Je rappelle qu'en sport collectif, c'est la deuxième discipline après le football. Je rappelle également que ça fait plus de 20 ans que le handball vit une crise. Crise de gestion, crise également en matière de développement de la discipline. Crise financière aiguë. La crise financière, elle est vraiment aiguë. Donc aujourd'hui, si on ne s'arrête pas un instant, ce résultat doit... En 2014, on attendait une dynamique concernant le handball. Elle ne s'est pas produite, cette dynamique. On attend. Deuxième place, c'est bien. Ça doit enclencher une dynamique, ça doit enclencher une réflexion. Changement du système de compétition, parce que comme ça fonctionne aujourd'hui... Vu le championnat national, c'est pas possible. C'est pas possible, vous pouvez pas fonctionner avec ce... On doit revenir à une poule unique, avec maximum aujourd'hui dans le handball national. Huit clubs, dix maximum. Le financement du handball pose problème aujourd'hui. Il y a un réel problème de financement des clubs. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est toutes ces questions-là. Il faut amener des réponses, de la réflexion pour permettre au handball de retrouver son lustre d'antan. Vous n'allez pas revenir au plus haut niveau
tout de suite. Ça demandera du temps. Deuxième, c'est bien. Mais c'est une réflexion à avoir, Mamadou Djebbour. Aujourd'hui, quand on voit le résultat, est-ce que ça pourrait être un élément déclencheur pour le renouveau du handball algérien? Je l'attends, cet élément déclencheur, je l'attends depuis bien longtemps. Mais j'espère que cette fois-ci, les choses, que les pouvoirs publics, parce que c'est l'État qui finance le sport en Algérie et le handball, que la réflexion va être engagée. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a promis qu'il allait avoir, concernant le financement du handball et de l'équipe nationale, qu'elle allait bénéficier de tous les moyens. Vous imaginez que l'équipe nationale n'a pas de centre de regroupement jusqu'à aujourd'hui, oui. N'a pas de centre de préparation jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, on attendra pour voir. Mais ce qui est sûr, le résultat est là. Eh bien maintenant, et c'est bien parce que c'est vraiment un réel défi. Ils ont vécu de très gros problèmes des joueurs avant ce match-là, le départ de Bouchkrillo, l'arrivée de Dehili. Dehili, il arrive, il est là en pompier également parce qu'il faut faire les choses très rapidement. Donc on a eu ce super parcours. Et je tiens à dire, le travail aujourd'hui doit consister à réduire le fossé qui existe entre la meilleure nation africaine, l'Égypte, à un degré moindre, la Tunisie et l'Algérie. Nous étions les premiers, on a régressé ces 20 dernières années. Bien, il faut retrouver cette première place. Hakim Eddine, aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, je pense que déjà, ils ont fait comme le football, ils ont raflé 3 cannes de suite. C'est la troisième qui remporte dernièrement. Et aussi, aujourd'hui, l'état d'esprit, le mental des Égyptiens, c'est d'aller décrocher. Parce que là, le championnat d'Afrique des Nations, oui. C'est une formalité pour eux. Le plus important aujourd'hui, la réflexion, c'est d'aller décrocher une médaille olympique. C'est ce qui se dit aujourd'hui en Égypte. Mohamed l'a bien résumé. Quand on parle de l'Égypte, je pense qu'il n'y a pas mieux actuellement en Afrique. Ils sont en train de titiller les grandes nations. Ils sont au niveau mondial. Ils sont titiller les grandes nations mondiales. Maintenant, c'est vrai que on doit prendre exemple de l'Égypte parce que c'est une nation qui a énormément progressé. Mais par contre, pour nous, je pense Mohamed. C'est très bien, Sidi Ahmed, d'avoir cette deuxième place avec tout ce qui s'est passé avant le départ de la sélection. Oui. Parce que, sincèrement, il n'y a pas un de nous, en voyant tous les problèmes qu'il y avait avant cette CAN, et finir avec. Il aurait misé sur notre sélection, avec, comme l'a si bien expliqué Mohamed, le départ de Bouchkrillo, les problèmes financiers de la fédération. Mais quand même, on a réussi à avoir quelque chose. Mais. Maintenant, il faut continuer, il faut des réformes. C'est pas normal qu'une sélection de handball, on ne met pas les moyens, les clubs souffrent, l'équipe nationale n'a même pas de centre de regroupement. Ces choses-là, je pense que le président de la République aussi, il a mis l'accent pour aider le ministère aussi. Et dire que c'est une discipline qui a tant procuré de bonheur, Mamara. Et les Algériens aussi aiment le handball. Nous, les Algériens, on adore. Je vais vous donner des exemples. La réforme sportive de 77, elle a permis tout d'abord au club d'exister, de se développer. Elle a donné une génération tout à fait exceptionnelle, des techniciens de valeur. Juste pour donner une idée. Toutes disciplines confondues. Toutes disciplines. Mais je vais rester sur le handball. On reste sur le handball. Le hand, c'est dans l'ADN de l'Algérien. C'est la deuxième. On a eu de très grandes générations de handballeurs. Ça a régressé ces 20 dernières années. Ça a régressé pourquoi ? Parce que tout simplement, la famille du handball, aujourd'hui, à l'intérieur, ça, elle est fragilisée. Oui. La deuxième des choses, le financement du handball pose problème. L'avenir des athlètes aujourd'hui, est-ce qu'on va vers le hand ? Est-ce qu'on est professionnel, semi-professionnel, amateur ? Ils ne savent pas où C'est-à-dire que le statut n'est pas clair. Il n'y a pas de statut. Ils sont amateurs sans être amateurs. Donc, pour revenir, aujourd'hui, soit vous enclenchez une réforme sérieuse concernant le hand et d'autres disciplines, quand je prends le hand et d'autres disciplines, concernant le sport national, soit on va rester comme ça, on fera un coup, deux coups, après on disparaît, on revient. C'est-à-dire, il n'y aura pas. Très simple, nous étions à l'avant-garde. Tout à fait. Et on a régressé. Quand je vois aujourd'hui l'Égypte, et je me souviens de l'Égypte, quand ils étaient venus à Harsha, oui, on dans les années battus. 2000. Non, je parle de 89, finale de Coupe d'Afrique des Nations à Harsha. On les avait battus, c'était une toute nouvelle génération entraînée par un Allemand. Ils avaient déjà commencé leur mue, leur réforme. Et aujourd'hui, vous voyez où ils sont les Égyptiens. Le résultat est là. Très simple, ils font partie du quota mondial. Donc, en attendant la réforme et une sérieuse réflexion sur la question, on devra vraiment
se pencher sur cette discipline qui a tant procuré de bonheur aux Algériens. On souhaite bonne chance et on félicite encore une fois nos handballeurs pour cette deuxième place acquise au championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé en Égypte. Et on attendra avec impatience le mini-tournoi qualificatif pour les JO de Paris. Voilà messieurs, c'était pour la petite parenthèse handball. Place au football maintenant et à la CAN 2024. Alors, les huitièmes de finale, Mamadou Djibril, je sais que vous aimez cette deuxième partie qui est, enfin, on va dire, plus intéressante que la phase de groupe, on c'est calcule, des matchs à élimination directe. Là, vous n'êtes pas épicier, vous ne calculez pas. Oui. Là, c'est le match à élimination directe. Ça se joue sur 90, 120 séances de tir au but. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que bon… Il y a plus de calculs. Il y a plus de calculs. Si vous avez pu faire tourner votre équipe sur la première partie ou si vous n'avez pas pu faire tourner, dans quel état physique sont les joueurs. Il y a un tas de paramètres, parce que la compétition est débutée. Elle dure qui peut-être, un mois. Ça dure un mois, mais il y a un tas de paramètres qui vous échappent. Donc, vous êtes obligé de compenser, c'est... de faire, de gérer. Et de s'adapter aussi aux situations. Les joueurs, ça fait un certain moment qu'ils sont ensemble. Des fois, il faut gérer les tensions à l'intérieur des groupes. Ben, on va revenir sur tous ces huitièmes de finale. Alors, je rappelle juste qu'en ce moment même, la Côte d'Ivoire, le pays hôte, qui était un miraculé de la phase de poule, Hakim Meden, est à un but partout face au Sénégal. Le match est encore en cours. On connaît 5 des... Oui, qualifié pour l'instant. On va revenir sur les matchs de samedi. Le premier match qui a opposé l'Angola à la Namibie, messieurs. Hakim, l'Angola, un football que vous connaissez peut-être très bien. Est-ce que pour vous, c'est une surprise au vu de ce qu'on a pu constater lors du premier match face à l'Algérie? Rappelons que l'Angola était dans le groupe de l'Algérie. Est-ce que pour vous, c'est une surprise de voir l'Angola aujourd'hui en quart de finale? Non, je pense, vu leur parcours jusqu'à maintenant... Ils ont fait un bon parcours, surtout dans la phase des poules, où ils n'ont pas perdu. Et ils ont eu la chance aussi de tomber sur une équipe de Namibie qui s'est qualifiée par miracle. Exactement. Disons, parce que c'était pas... Ça s'est joué au Golavérage. Ça s'est joué au Golavérage, mais je pense que l'Angola, ils ont une bonne assise défensive, très bonne assise défensive, c'est la culture portugaise. Et avec deux attaquants qui sont en train de faire la différence. Mabouloulou. Et je pense que avec cette mentalité, cette envie, parce qu'ils ont montré de la grinta, de l'envie, un bloc bien, sur le plan défensif, ils sont bien armés. Et je pense que jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont fait, c'est bien mérité. Mamar, quand on voit la composante aujourd'hui de cette équipe de l'Angola, et l'entraîneur qui a été mis en place, Gonçalves, on voit que c'est une équipe portée vers un jeu plus physique. Ils sont plus rugueux dans leur manière de prendre les matchs. Est-ce que c'est ce qui fait la différence? Parce que là, sur les 9 participations, ils sont quand même allés 3 fois en quart de finale sur les dernières années. C'est la troisième fois qu'ils atteignent les quarts de finale. 2008, 2010 et aujourd'hui. 2010 et aujourd'hui. Ils ont eu une longue traversée du désert. 2010, ils l'avaient organisé chez eux et 2006, ils étaient à la Coupe du Monde. Il faut le rappeler, c'était en Allemagne. Cette fois-ci, ils étaient dans le creux de la vague. L'équipe, si vous prenez, avant le début du tournoi, cette équipe angolaise ne marquait pas, mais dans le même temps, n'encaissait pas. C'était son animation défensive qui était son point fort. Or, le tournoi débute et elle marque à chaque rencontre. Elle a une très bonne animation défensive, mais l'une de ses forces, c'est le jeu de transition défense-attaque. Ils vont très rapidement vers le but adverse. Deuxièmement, il y a des joueurs comme Ribeiro, le joueur qui a Mabouloulou, qui a marqué un superbe but contre la Namibie avec une frappe enveloppée. Oui. Gomez également. Donc, c'est des joueurs qui arrivent à faire la différence. Il est vrai que moi, je ne m'appuie pas sur le match de la Namibie. La Namibie reste un adversaire très, très modeste, très avec modeste. Tout le respect qu'on doit aux Namibiens qui atteignent pour la première fois de leur histoire ce stade de la compétition. La Namibie avait fait forte impression lors du premier match contre la Tunisie où il s'impose un but à zéro. Vivacité, un football direct. Porté vers l'avant. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Chalulu qui avait fait très mal au CRB. Je vous rappelle avec Mamelodi. Chalulile. Vous écorchez à chaque fois son nom. Chalulile. Qui avait fait très mal au CRB avec Mamelodi Sundowns. Oui. On l'a vu également avec Attaquant rusé. Olo qui a marqué contre la Tunisie. Donc, sur ce match-là,
face à une équipe tunisienne qui manquait d'imagination, de créativité, qui n'a rien proposé, ils ont gagné 1-0. Mais après, ils n'ont pas pu répéter ce type de match. Ils sont écroulés contre l'Afrique du Sud, ils passent grâce à un match nul contre le Mali. Et donc, aujourd'hui, face à une équipe angolaise, sûre de son football, qui a battu le Burkina Faso 1-0, qui a fait match nul contre nous lors du premier match, et qui bat la Mauritanie 3-2. Avec un 3-2 contre la Mauritanie, avec une équipe qui a trouvé son équilibre entre la défense et l'attaque. Elle a marqué à chaque match. Et on le voit, donc face à une équipe tout à fait modeste, ils ont réussi. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment cette équipe angolaise, est-ce qu'elle peut casser ce plafond de verre des quarts de finale et aller en demi-finale. Merci. C'est tout l'enjeu de la rencontre. Merci pour la transition toute faite, Mamadou Djebbour. L'adversaire de l'Angola en quart de finale n'est autre que le Nigeria. Le Nigeria qui est venu à bout de cette équipe du Cameroun qui, on le voit, depuis le début de la compétition, n'a pas présenté grand-chose, n'était pas au rendez-vous, que ce soit sur les matchs de phase de groupe, ce match face au Nigeria, on ne sentait pas que c'était une équipe du Cameroun qui en voulait, qui voulait se qualifier. Il y a eu le forfait d'un des Il voulait se qualifier, mais il n'avait pas les moyens. Pas, oui, voilà, mais n'arrivait pas à le faire face à une équipe du Nigeria. Surtout, Sidi Ahmed, en voyant l'équipe du Cameroun, moi je pense que ça fait un bon moment depuis l'arrivée de Sang. Je pense que la mayonnaise n'a pas pris. Et on parle beaucoup, beaucoup des faits en dehors du terrain que du jeu camerounais, parce que avec l'arrivée tardive de Onana qui a vraiment c'est des trucs. Demandez à Hakim, il a vécu je vais pas refaire l'histoire mais quand vous êtes dans une équipe et tu bah oui c'est pour ça que j'ai dit. Et qu'il y a un joueur qui arrive ça se fait il y a un joueur qui arrive en retard, mais d'ailleurs Hakim qui était en 1988 à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait eu à l'époque toute une polémique sur un joueur qui devait rejoindre l'équipe ou pas. Et ça avait entraîné des tensions à l'intérieur. Oui. C'est toujours comme ça. C'est toujours parce qu'on vous dit... Comment ? Il y a un gars qui est gardien de but. Mais la trajectoire, Mohamed Djebbour, pour ce que vous dites, la trajectoire, elle est claire. Il est arrivé en retard, il est titulaire, il se prend 3 buts, il ne joue plus. C'était évident. Donc, quelque part, ça allait créer des tensions au sein du groupe. Sidi Ahmed, mais il y a eu une cassure. Oui. Parce que quand quelqu'un, tout le monde se déplace, tout le monde arrive à l'heure, on doit partir tel jour, et les gens ils sont motivés, le gars il n'arrive pas. Il arrive le deuxième match, il joue titulaire, il passe à côté. Mais déjà la tension, le mal est fait, le mal est déjà fait. Et on a vu les tensions qu'il y a dans le groupe, et Mamor il est là, il a fait plusieurs Coupes d'Afrique. Les Camerounais ils sont un peu spéciaux parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver avec leur statut, ils vont gagner, ça va passer. D'ailleurs, ils se donnent le surnom du continent. Pour eux, c'est les maîtres. Et malheureusement, ils sont tombés sur une bonne équipe qui n'ont pas fait beaucoup de bruit. Le Nigeria, bien. Justement, parlons du Nigeria, Hakim. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le Nigeria a montré. Parce qu'avant le début du tournoi, c'était vraiment une équipe qui était en perte de vitesse. Et là, on les voit sur un tournoi majeur, ils arrivent à se mettre vraiment dans le bain de la compétition et ils gagnent en confiance de match en match. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le Nigeria a montré de telles choses qu'on pourrait dire qu'ils sont favoris pour aller le plus loin possible et pourquoi pas le sacre final ? Non, quand on voit le groupe de l'équipe du Nigeria, on sent que l'équipe vit bien. Parce que c'est des joueurs qui se donnent à fond, ils ont laissé seulement Osimhen devant, les autres, ils sont tous derrière, ils défendent, ils attendent, ils sont patients, ils font un bon bloc défensif et ils profitent des occasions qu'ils ont. Oui. Maintenant, ils jouent avec leur force. Mais ce que j'ai remarqué dans cette équipe du Nigeria, c'est l'état d'esprit. C'est des joueurs qui veulent rien lâcher, ils ont envie, avec un entraîneur portugais qui est Poseiro, je pense qu'il a su utiliser les qualités de son groupe. Et ça, il joue sur ses forces. Ben oui. Alors, il parle de l'entraîneur. Oui. L'entraîneur, Poseiro, qui était fortement contesté. Ouais. La fédération voulait tout simplement le limoger. Mais vous savez pourquoi ils ne l'ont pas limogé ? Parce qu'ils ne pouvaient pas lui payer ses indemnités. Donc, ils l'ont gardé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était des problèmes financiers. Ça, c'est la première des choses. Vous dites, le Nigeria... le Nigeria, c'était vraiment la grande énigme avant le début de la compétition. Oui. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez cette équipe des Super Eagles, vous trouvez au niveau de l'équipe, en valeur intrinsèque, il y a beaucoup de qualités. Moses,
Osimhen, ah, meilleur joueur. Moses, Osimhen, Chukwueze, Boniface. Il y a tellement de bons joueurs. Iwobi au milieu de terrain. Mais ils ont une défense, ils prenaient des buts. Prenable. Ils débutent la compétition avec un nul devant la Guinée équatoriale. Un but partout, ils sont menés au score, ils reviennent. Je pense que le... Et attendez, l'entraîneur en plus, sa particularité c'est quoi? C'est qu'il aligne jamais la même équipe. Il fait toujours, il apporte des changements dans cette équipe. Il fait tourner. Il fait tourner, c'est jamais la même attaque, c'est jamais le même... Il fait beaucoup bouger. Deuxième point, vous prenez leur match. Moi, je pense que, comme ça, dans un tournoi, il y a un match qui va faire... Référence. Référence sur lequel on s'appuie. Oui, et bien, le match pour c'était moi... C'était face à la Côte d'Ivoire. Où ils gagnent 2-1. Ce jour-là, parce que si vous regardez le premier match, Osimhen, il se rate complètement sur le premier match. Oui. Il a des occasions de scorer. Il a raté pas mal d'occasions, oui, c'est vrai. Sa déclaration, il fait son autocritique. Tout à fait. Où il dit, moi, le premier. Deuxième match. Eh bien, deuxième match, on a vu une équipe compacte, on a vu une équipe bien appliquée, un plan de jeu respecté, et la différence, elle se fait, et il gagne 2-1 quand vous avez Osimhen, et quand le reste suit derrière, ça fait la différence. Il passe. Mais contrairement à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils font un total de 3 matchs, 3 victoires, et ils sont éliminés en 8e de finale par la Tunisie. Oui. Là, non. Ça débute timidement. Mais ça monte en puissance. Maintenant, vous prenez les Lions indomptables. Premièrement, il y a un renouvellement qui est en train de se faire au niveau des Lions indomptables. Deuxièmement, il a cité le cas Onana, qui a posé un réel problème. Troisièmement, vous savez, il y a une répartition des rôles qui pose problème entre Rigobert Song et Samuel Eto'o fils. Vous arrivez, Samuel Eto'o, qui, alors, c'est le président, c'est le grand frère, c'est l'entraîneur, il pousse une gueulante dans le vestiaire. Bon, déjà, ça crée un peu de tension. Donc, quand vous avez tout cela, et en plus sur le terrain, l'équipe, elle passe difficilement, rappelez-vous. Elle passe contre la Gambie à la toute dernière minute. Tout à fait. 3-2, elle était menée au score. Donc, 5 minutes de la fin, ils étaient menés, 2-1. Donc, ils laissent de l'énergie sur ce match avant d'aller affronter les Super Eagles qui, eux, sont passés tranquillement. Aisément. Et oui, donc, à un moment donné, sur cette confrontation, attendez, vous avez quoi en face? Vous avez le Nigeria qui a remporté le Cameroun 5 fois et le Nigeria 3 fois. 8 Coupes d'Afrique des Nations. Deux grandes nations. Et ça a souri aux Super Eagles qui reviennent fort sur cette Coupe d'Afrique des Nations maintenant. Est-ce qu'ils vont continuer? Parce qu'on a vu cette Coupe d'Afrique des Nations, tout est imprévisible. Est-ce qu'ils peuvent encore éditer cet exploit en quart de finale? Ça, je pourrais justement pas vous dire. Telle est la question. Et à ce propos, je vous propose d'écouter les réactions d'après-match de Victor Moses Simon et de Castelletto aussi du côté du Cameroun. Maintenant, on va rentrer. Donc, on va travailler encore plus pour le prochain match. Mon objectif, c'est tout le match. Tranquille, on va travailler tout le match, chaque match, pour le gagner. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que les joueurs ont respecté le plan de jeu, étaient dans le match. Et voilà, j'espère qu'on en ressortira grandi pour le futur. On a laissé entrevoir de belles choses. Dans la difficulté, même en étant mené 1-0, on n'a pas lâché, on est resté dans le match. Voilà, c'est douloureux. Déçu, c'est sûr qu'on est déçu parce que aujourd'hui c'était compliqué. C'était compliqué, on n'a pas eu forcément d'occasion. Eux, ils ont mis les occasions qu'il fallait. Voilà, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Castelletto qui est lucide et résume bien la situation. Le Cameroun n'a pas eu d'occasion et n'a pas existé face au Nigeria. On verra si le Nigeria arrivera à poursuivre cet élan qui est le sien sur le quart de finale face à l'Angola. Ça sera l'Angola, vendredi prochain. Donc on passe aux matchs qui se sont déroulés hier. Messieurs, hier on a eu une surprise pour ces quarts de finale. La Guinée, futur adversaire de l'Algérie en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, que retenir? Ce sera au mois de juin. Exactement, ça sera au mois de juin. Et il y aura un tournoi au mois de mars. On ne sait pas s'il sera maintenu ou pas ici à Alger. Donc, je voudrais vous poser la question directement. Futur adversaire de l'Algérie, qualifié sans briller à la toute dernière minute face à la Guinée équatoriale, une grosse surprise de ce tournoi, comme ce fut le cas lors de l'édition précédente. Que retenir de cette équipe de Guinée de Kaba Diawara? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que Kaba Diawara a réussi à faire un bon bloc. Ils jouent avec leur qualité.
C'est une équipe qui impose sur le plan, est imposante sur le plan physique. Et ils attendent les bonnes occasions pour essayer de marquer. On a vu hier, la Guinée équatorienne, ils ont raté un pénalty. C'était le tournant du match. Et à 10 aussi. Et après, réduit après, à 10. Ils ont joué à 10. Mais la Guinée, c'est une équipe qui était bien en place. Ils ont attendu, ils ont eu une occasion, ils l'ont mis au fond, au bon moment, juste à la fin. C'est ça, c'est des équipes. Ce que j'ai vu, moi, dans ce tournoi, c'est que beaucoup de nations jouent avec leur force. Maintenant, on ne veut plus inventer. On a vu, par exemple, des équipes bien en place, comme le Nigeria, comme la Guinée. Et hier, à la fin, je pense que la Guinée a mérité de passer parce qu'ils ont été très rigoureux et très disciplinés dans le jeu. Ce qui fait très mal dans le foot, oui. Vous parlez à un attaquant, c'est quand vous avez des occasions. Et vous ne mettez pas au fond. Ça vous revient comme un boomerang. C'est ce qui s'est passé. La Guinée équatoriale, je pense que c'est l'une des équipes qui a fait la plus forte impression sur le premier tour. Exactement. C'est une équipe qui a mis 4-0 au pays organisateur. C'est une et qui est passée première de son groupe. C'est une équipe qui est restée sur la continuité de 2019. Oui. Mais je rappelle que cette équipe avait été demi-finaliste en 2013. Faut pas l'oublier. Chez eux. Oui. Alors, que dit Hakim ? Il dit, aujourd'hui, les équipes jouent sur leur force. Oui, la Guinée équatoriale a joué sur ses qualités. C'est quoi ses qualités ? Bloc bas, transition. Bien organisé, plan de jeu respecté, beaucoup de rigueur. La transition, ils font très mal. Hier, ils ont un pénalty. Une petite stat, Mahamar, juste pour confirmer un peu ce que vous dites. La Guinée équatoriale, avant le tournoi, avant d'entrer dans ce tournoi, n'avait perdu aucun de ses 9 derniers matchs. Ils étaient sur 13 matchs sans défaite. 13 matchs sans défaite. La série est arrêtée par la Guinée. Ils jouent cette équipe, ils ont des occasions. Leur meilleur buteur qui rate le pénalty. Vous avez également, ils ont des occasions de but, ils ne mettent pas ça au fond. Je pense qu'également, il y a eu une infériorité numérique. Carton rouge pour le joueur de la Guinée équatoriale. Donc, il se retrouve à 10. Également, il faut gérer cette partie. En revanche, la Guinée, le Sili national, comme on les appelle, eh bien, le Sili, Boudekaba Diawara, a tout d'abord, eh bien, cassé ce plafond de verre. Ils ne sont jamais passés en quart de finale. Vous allez me dire non, je vais vous dire oui, pour la simple raison. Ils sont allés en finale en 76. Non, ce n'est pas une finale en 76. Ah, ce n'est pas une finale. Et non, ce n'était pas une finale en 76. En 1976, ça se jouait sous forme de championnat. Et donc, ils ont terminé deuxième. Voilà. Oui, mais après, ça reste… Non, c'est la différence, non, où est-ce qu'elle est? C'est un autre format de compétition. Oui, mais la formule, elle est différente. Ouais. Il n'y avait pas de match à élimination directe. C'était un mini-championnat, voilà. Très bien. Donc, ils terminent deuxième. Là, non, c'est des matchs à élimination directe. Ils ont toujours été éliminés en huitième de finale. Et là, pour la première fois, ils passent en quart de finale. Kaba Diawara, il a beaucoup de mérite. Premièrement, la fédération lui a fait confiance. Elle l'a maintenu. Ils l'ont maintenu. C'est une équipe qui l'a façonné. Rappelons-le, il n'y a pas de joueur qui joue sur son statut. Ça bouge énormément. Après, il y a un top joueur, c'est Guirassy. Oui, mais le top joueur, Guirassy avec Nabil Keïta. D'accord. Nabil Keïta, il n'est pas tout. Il est en méforme. Oui, il est en méforme. C'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est une équipe qui a réussi. Et rappelez-vous, à chaque fois dans les dernières minutes, ça veut dire, ça démontre quoi ? C'est un gros mental. C'est un très gros mental. Et c'est une équipe qui a du caractère. Et elle l'a montré sur ce match. Alors, est-ce que maintenant le Sili, également, moi je reste toujours, ça passe en huitième, ils arrivent en quart. Est-ce qu'ils vont passer en quart ? L'objectif est atteint. Ils sont en quart de finale. L'objectif est atteint pour le Sili national. Et encore une fois, après, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, l'affiche de ces quarts de finale est connue, Hakim Meden. Le Sili national affrontera les Léopards du Congo, la République démocratique du Congo. Ils ont une particularité, les deux. Ils parlent français. Non, c'est pas, non. Vous prenez sur les premiers tours, la République démocratique du Congo n'a gagné aucun match. Aucun match. Trois matchs nuls. Et la Guinée également s'est retrouvée sur ce dernier match qu'elle a gagné. Elle avait gagné trois matchs nuls, la Guinée. Ouais, trois matchs nuls aussi. Et hier, ils ont gagné. Voilà. Donc c'est un peu à l'image de l'Égypte aussi, qui est tombée face à la République démocratique du Congo. Donc Hakim, je sais que vous avez suivi de près cette équipe égyptienne avec. Des absences et pas des moindres, Ashraf qui était blessé, Chennaoui blessé et remplacé par Abou Ghabel. Salah aussi qui a été blessé bien avant, mais sur le dernier match, est-ce qu'aujourd'hui face à la République démocratique du Congo, c'était plus sur l'aspect physique que ça s'est joué ? Est-ce que les Congolais n'ont pas imposé, ne sont pas allés sur leur force justement ? Les Congolais avaient des absents aussi. Oui, il y avait
Bon, le milieu de terrain. Katogo, et le joueur qui était sorti, c'était l'attaquant de pointe qui jouait en Angleterre. Très bien. Donc, dans le nombre de joueurs. Il y avait deux joueurs qui étaient absents. Moindre, hein. Mais Mamar, on a vu que sur les duels, les Égyptiens n'ont pas existé. Sur ce match-là, ils ont vraiment. Il y a eu une force physique de la République du Congo. Et l'équipe égyptienne, je pense, dans ce tournoi, ne nous ont pas montré grand-chose. Ils reviennent de matchs qui finissent 2-2. C'est une équipe qui a pris beaucoup de buts. C'est pas l'équipe qui a encaissé. C'est une particularité. Ils ont pris 6 buts. 6 buts sur la phase de groupe. C'est la première partie. C'est la première fois qu'ils prennent autant de buts. L'Égypte est connue pour sa qualité sur le plan défensif. 6 buts, c'est qu'il y a des problèmes. Et encore, Mahamar, ce qui est aussi inquiétant, c'est contre des adversaires présumé modeste. Présumé et modeste. Qui était outsider voilà. du groupe, quand on voit le groupe dans lequel était et tous les matchs, l'Égypte. Ils reviennent. C'est le seul point positif, c'est que l'Égypte revenait toujours au score. Ça, on peut dire que c'est positif. Ils ont même réussi à mener face au Cap-Vert. Hakim, on avait vu le match ensemble, sur le but de Mostafa Mohamed. Et par la suite, ils auraient pu finir premier du groupe. Ils encaissent ce but. Ils ont joué l'équipe B du Cap-Vert. Hein. Oui, parce qu'elle avait été remaniée à 70%. Merci. Il y avait 7 joueurs qui n'ont pas joué. Qui n'ont pas été titularisés. Qui n'ont pas joué. Ouais, mais on est resté sur notre fin. Sidi Ahmed, je pense que l'Égypte, on n'a pas vu l'équipe qu'on voulait voir réellement. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise communication du sélectionneur? Parce qu'on a vu... Il y a aussi des joueurs, je pense, comme Nini qui a été très critiqué. Oui. Avec Salah, bien sûr. Parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Il n'est pas au mieux, Nini. Il ne jouait pas beaucoup à Arsenal. Voilà, c'est ça. Il ne jouait pas beaucoup à Arsenal. Mais avec sélectionneur, il a joué tous les matchs. Il était un joueur indispensable au milieu de terrain. Et je pense que... Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas. Moi, quand j'ai vu le premier match, Mo Salah jouait d'habitude. Mo Salah, quand il est à Liverpool, il joue sur le côté droit. Sur le côté droit, là, il jouait un peu au milieu, derrière l'attaquant. Oui, deuxième attaquant. Alors, je dis, est-ce que la manière, l'utilisation de Mo Salah n'a pas eu, il n'a pas eu le rendement ou l'impact qu'il faut sur le comportement d'équipe? C'est la question que je pose. Hein, parce que ce n'est pas sa position habituelle. Et puis, tous les ballons transitaient par lui. Mais les derniers temps, jouait souvent dans l'axe. À Liverpool? Non. Non, en Égypte, c'est pas Liverpool. Non, avec Liverpool, non. Avec Liverpool, c'est. Peut-être qu'il aurait fallu l'utiliser sur sa position. Sur sa force. Oui. En club. Préférentiel. C'est ce qui fait sa force, préférentielle. Il y a aussi l'autre, le joueur qui joue en championnat allemand. Comment Sidi Ahmed. L'attaquant. L'attaquant égyptien. Marmouche, qui joue à Francfort. Oui, moi je pense lui, il pouvait être dans la position où jouait Salah, pouvait être plus efficace. Il a plus d'habilité à jouer à ce poste-là que Mo Salah. Très bien, moi je pense. Et ils sont passés de justesse, c'était vraiment... C'était laborieux sur le premier tour. C'était laborieux ce qu'ils nous ont montré contre le Mozambique, qui sont menés au score, ils reviennent à la toute dernière minute, le Mozambique d'habitude... Bon, ce n'est qu'une formalité en principe, avec tout le respect qu'on doit au Mozambique, pour les pharaons. On les a vus. Moi, je pensais, je me suis dit, cette équipe d'Égypte, sur le premier tour, elle est dans le jeu, c'est laborieux. Et elle commencera à monter en puissance. Elle va monter en puissance. C'est ce qu'elle nous avait habitués à faire. Or, finalement, ils ont affronté une belle équipe de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous les avez vus, parce qu'ils étaient absents lors de la dernière édition. Oui, absents. Ils ont un entraîneur, Sébastien... De Sabre, qui était entraîneur à la JS Saoura, entre parenthèses, Sébastien je le rappelle. Qui fait un énorme boulot. Il a réussi à présenter un projet, Sébastien De Sabre. Il a convaincu ce qu'on appelle les binationaux de rejoindre l'équipe sur un projet de jeu, sur un projet présenté par la fédération. Et puis, ça a très bien fonctionné, ça a une très bonne connexion. Donc du coup, c'est vrai qu'ils ne gagnent pas, mais ils auraient dû gagner. Le nombre d'occasions qui se créent, ils ne marquent pas. Ils sont toujours... Dans les 20 derniers mètres, ils ne sont pas tueurs. Il leur manque ce buteur dans les 20 derniers mètres. Eh bien, hier, on a vu contre la République contre l'Égypte, ce que je retiens, moi, il en a parlé. Le football, c'est quoi? Vous avez joué au foot, c'est les duels. Si vous ne gagnez pas les duels, vous êtes mort. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Clairement. La deuxième des choses, vous me dites le gardien de but, non? La dernière édition, le gardien de but également titulaire a été blessé, Chenaoui. Oui. Et c'est la deuxième fois qu'il se blesse en cours de compétition. Je pense que les Égyptiens n'étaient pas dans le coup. Et si vous regardez tout le match sur la prolongation,
qui veut aller à la séance de tir au but ? C'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens. Ils disent on va à la séance de tir au but. Ils ont essayé de gérer. Pourquoi, maman ? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Non, parce qu'ils pensaient que l'édition précédente, Abou Ghabal était le héros. Abou Ghabal était le héros. Abou Ghabal était le héros de l'Égypte. Ils pensaient que. Alors, sur l'édition précédente, je rappelle, ils sont passés 3 fois au tir au but avant de s'incliner en finale face. Au tir au but. Exactement, face au Sénégal. Donc, messieurs. Mais pour dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez beau faire vos calculs, oui. Eh bien, des fois, ça ne fonctionne pas. Ça se joue sur le terrain. Ça se joue sur le terrain. Et on l'a vu. C'est la réalité du terrain. Et ça permet à la République démocratique, les Léopards, qui sont passés. Et c'est une belle équipe des Léopards. Moi, je peux vous dire que cette équipe, elle peut faire mal, cette équipe des Léopards. Mais c'est une équipe qui est présente à chaque fois. Il y a de la qualité sur le plan technique. Ça joue bien. Maintenant, il leur manque ce buteur capable de faire la différence. Il peut être là à l'image de Wissa, qui a présenté de belles choses face à l'Égypte. Je vous propose d'écouter, après match, Kaba Diawara, qui parle de cette victoire. On a vraiment voulu ça. Après, à la dernière minute, on ne contrôle rien. Mais bon, on avait mis 2 points, donc il fallait que ça serve à quelque chose. On avait dit qu'il fallait descendre. Et c'est sur l'un d'eux qu'on a marqué. Donc, c'est travailler à l'entraînement, ce n'est pas du n'importe quoi ce but. Franchement, on est très contents. Ça a été dur. Mais on a réussi à tenir jusqu'au bout et renverser la tendance. On est très contents. Après, pour la suite, en vrai de vrai, on ne va pas se mettre de limites. Hein. Pour la suite, on va continuer comme ça et on va aller jusqu'au bout. Il y a que des mots de joie. On est content vraiment d'être qualifié. Et le chemin est encore long. Donc on va continuer à rêver encore et à bosser plus, aller loin dans cette compétition. I feel very sad. I feel devastated. I think we make a good game, but unfortunately the small details, my penalty, the red card, change the game. And just to say congratulations to Guinea-Conakry, and I am very proud of all my teammates. Voilà, c'était Nsoué et Kaba Diawara avec l'ensemble des joueurs de la Guinée. Rappelons que la Guinée qu'on affrontera au mois de juin prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On connaît désormais les 2 premières affiches de ces quarts de finale. Vendredi, on aura Nigeria-Angola à 18h et tout de suite après, la République démocratique du Congo qui affronte la Guinée à 21h. Les matchs qui se sont joués aujourd'hui, il y a un match qui est toujours en cours, rappelons-le, c'est la Côte d'Ivoire, le pays hôte qui affronte le Sénégal. Le score est toujours de 1 but partout, Hakim Dan. Oui. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, on a eu une belle affiche entre la surprise vraiment qui se qualifie pour la première fois au second tour pour les 8e de finale, la Mauritanie, face à une belle équipe et vraiment une belle surprise sur cette première partie de compétition, le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui s'est imposé 1-0 et qui rejoint les quarts de finale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, Mamad, sur cette équipe du Cap-Vert qui ne cesse de progresser de compétition en compétition et d'édition en édition ? Alors, je veux dire, bon, le Cap-Vert, quand vous regardez l'effectif, vous avez des joueurs qui jouent en Europe, c'est une nation qui a seconde grandi. Seconde zone, surtout en Europe. Vous avez Ryan Mendes qui a joué à Lyon. Oui, il a joué à Lyon. Vous avez un joueur, je n'ai pas la mémoire de tous les joueurs. Mais au-delà, c'est une équipe qui est bien organisée. Il y a de la qualité sur le plan technique, beaucoup de mouvements. Ça propose aux porteurs du ballon. Donc ça, on l'a vu. Moi, c'est l'équipe qui m'a plu, c'est la Mauritanie. Oui. Pourquoi la Mauritanie ? Parce qu'elle est sur la continuité de ce qu'elle a fait contre l'Algérie, où je rappelle, elle joue sur ses propres qualités. C'est quoi ses qualités ? C'est de vous laisser le ballon et de vous contrer et de jouer sur les transitions. Moi, je peux vous dire que les Mauritaniens auraient pu marquer. Ils ont eu une occasion. Deux occasions. Ils ne les ont pas matérialisées, ça ne s'est pas matérialisé. Tout à fait. Mais dans le même temps, il y a une telle débauche d'énergie côté mauritanien. Vous avez, dans les duels, parce qu'on parlait des duels, eh bien, ils ont répondu présent dans ce combat. Ils étaient toujours les premiers sur le ballon, dans l'anticipation. Sur le porteur du ballon, vous avez 2-3 joueurs, ils étaient pris par 2-3 joueurs. Ils ont asphyxié cette équipe. Le contre-pressing se faisait bien. Ils ne les ont pas laissé développer leur football. Tout à fait. Mais après, la Mauritanie, on l'a vu. Que ce soit contre l'Algérie, ça a bien fonctionné. Mais rappelez-vous, contre le Burkina Faso, ils se sont fait piéger à la dernière minute. L'Angola, où ils font preuve de naïveté, ils prennent 3-2. Et le but marqué par le Cap-Vert, c'est une erreur, oui. Grossière erreur. Le joueur, il pouvait mettre ça en touche, il pouvait être là où dégager le ballon. Il prend la plus et ne pas se mettre en danger. Il prend la plus mauvaise des décisions, il remet de la tête, il y avait un attaquant à l'affût, et le gardien anticipe, il y a pénalty. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe du Cap-Vert ne doute de rien. Ce n'est pas la première fois qu'elle atteint les quarts de finale, le Cap-Vert.
pour leur première participation, ils avaient atteint les quarts de finale en 2013. C'est bien. Ils ont grandi, il y a une maturité dans cette équipe. Maintenant, vous savez, tout reste ouvert. Sur ces, c'est vraiment, elle est, après, c'est, pourquoi tout, je dis Mohamed Djebbo tout, édition, tout est ouvert, c'est vrai. Pourquoi je dis, Hakim, je reviendrai vers vous, pourquoi je dis, c'est vraiment les deux nations surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Mauritanie qui se qualifie pour la première fois de son histoire au second tour et le Cap-Vert qui n'en est qu'à sa quatrième participation seulement. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un match. Mais quand pour... on prend, Sidi Ahmed, quand on prend la Mauritanie, ils perdent les deux premiers matchs. Oui. Ils partent avec ils n'avaient jamais gagné un match de leur histoire ils en nous Coupe battent. D'Afrique. Maman, c'est ça, ça leur donne de la confiance. C'est des beaux bébés, on les a vus, ils sont vraiment la taille, le poids, ils sont imposants. C'est pour ça, après, quand ils passent, je dis, oh, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui va les empêcher de ne pas battre le Cap-Vert? C'est pour ça que j'ai dit... Ils ont battu l'Algérie, après, c'est ouvert. Tout est ouvert, on peut c'est tout pour ça que j'ai dit, il faut, dans les années prochaines, je pense qu'il faut compter avec cette nation, parce qu'ils sont en train de travailler, de bien travailler et de bien progresser. Et avec la Mauritanie, un entraîneur qui... La Mauritanie, ce qu'est en train de dire Hakim, il y a un excellent travail qui est en train de se faire. J'allais parler de l'entraîneur, Amer Abdou. Avant d'aller sur l'entraîneur, moi je parle du président. Qui est vice-président de l'ACA. Mais c'est pas ça. Ils ont monté un centre de préparation. Ils se sont appuyés sur, tout d'abord, le savoir-faire étranger. Troisièmement, quand ils appellent, ils ont un club. Le Nouadhibou Football Club. Oui, d'ailleurs, Amer Abdou était au Nouadhibou. Oui, qui est présent en Champions League africaine. Alors qu'avant, les clubs mauritaniens n'existaient pas. Ça, en matière de formation, ils ont adopté la même politique que faisait l'Algérie. Lui, il s'en souvient très bien. Vous êtes un peu plus jeune. Un peu plus jeune, pour m'en souvenir. Cette politique avait été. Il l'avait mise de côté. Ouais. C'est d'être en stage permanent. Permanent, oui. Ah oui. Ce qui fait. On rentre le dimanche et on sort le jeudi, généralement après un match d'application. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui du côté de la Mauritanie, avec des centres de formation ou des centres d'entraînement, appelés comme vous voulez. C'est des centres d'entraînement. Très bien, mais ça travaille. Et du coup, vous avez une densité de joueurs. Qui émerge. Et maintenant, vous prenez un entraîneur comme Amer Abdou, qui a entraîné le Nouadhibou, vous venez de le dire. Il prend l'équipe nationale. Et qui avait fait de belles choses avec les Comores, souvenez-vous. Les Comores, il a éliminé le Ghana. Ouais. C'était lors du dernier match, 3-2 en 2001, lors de la dernière édition. Mais ce que je veux dire, Amer Abdou, c'est un gars qui a fait progresser cette équipe. Ça, c'est la première des choses. Les Mauritaniens, quand ils viennent, ce n'est pas pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour progresser. Troisième participation, ils ont passé un tour. Ils ont progressé. Des joueurs qui gagnent en maturité, qui apprennent. Et à partir de là, eh bien, ils sont tout le temps devant eux. Et moi, je rejoins. Et sans, dans le futur. Et sans pression aussi. Ben oui. Mais il n'y a pas de pression de résultat. Sans pression de résultat. Attendez. Pression de, sur la pression, j'ai dit oui, mais je mets un bémol. Dans le futur, ils vont faire mal. Je mets un bémol, pourquoi? Parce que j'étais aux conférences de presse. Les journalistes mauritaniens. Qui se tournaient vers Amer Abdou pour lui dire, écoutez, alors, si on ne gagne pas, est-ce que vous allez présenter vos excuses au peuple mauritanien? Et lui qui répondait, mais attendez, regardez la progression dans le jeu, dans la manière également d'évoluer du groupe, individuellement, collectivement. Et la gestion aussi de l'effectif. Et les journalistes ne comprenaient pas, pour eux, il fallait une première victoire. Ils l'ont eu contre l'Algérie. Ça, ça va entraîner une dynamique. Parce que oui, on a battu l'Algérie, avec toute l'histoire. Et maintenant, ils s'ouvrent, ils se disent, ah bien maintenant... Ils vont travailler encore plus. Ouais. Et dans les années à venir, il faudra compter sur ce football au niveau continental. On l'espère. En attendant de connaître l'adversaire du Cap-Vert demain, il y a un match qui se déroule encore. Le Sénégal, on vient de me dire que le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont au tir au but, Mahamar. Ça sera la deuxième séance de tir au but après celle de l'Égypte face à la République démocratique du Congo. Je vous propose de... nous pencher sur les matchs qui se joueront demain. On aura encore deux matchs demain pour connaître les deux derniers qualifiés en quart de finale. Et on reviendra pour vous donner, Madame Messieurs, le résultat final de ce match Sénégal-Côte d'Ivoire qui a tenu toutes ses promesses. La Côte d'Ivoire, rappelons-le, miraculée de la phase de groupe qui s'est qualifiée avec une différence de -3, Mahamar. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Moi, je vais vous dire, moi je pensais que les Ivoiriens, parce qu'ils ont attendu la dernière journée, le dernier match, c'était donc sur le plan de la tension. Oui, vous avez toute cette tension qui est là.
Je rappelle le jour où avec ils ont... le limogeage de l'entraîneur. Oui, il devait partir. Quand vous prenez 4-0, vous n'avez plus rien à faire. Ouais. Mais en pleine compétition. Ça devait arriver. Il fallait... Qu'est-ce que vous allez faire? Il fallait faire quelque chose. Vous êtes obligé. Ce n'est pas les joueurs. Oui. Vous ne pouvez pas renvoyer les joueurs. Donc, il faut provoquer un déclic. Changement. Un déclic. Vous dites, allez, un petit choc. Psychologique. Ça, bon, pour le moment, ça marche. Mais ce que je dis, le traumatisme vécu par les supporters ivoiriens, première des choses, il fallait être là-bas. La deuxième des choses, que ce soit à Boaké ou à Abidjan ou dans toute la Côte d'Ivoire, deuxième des choses, moi je me suis dit, ils ont attendu, tension nerveuse, face à une équipe du Sénégal qui a fait le plein. 9 points sur 9 possibles. Ouais. Aujourd'hui, je me suis dit, ça va passer comme une lettre à la poste. Comme quoi, en football, tout il peut arriver. Jurer de rien. Pourtant, le Sénégal est une équipe bien en place, est une équipe qui a bien de stabilité, il y a des joueurs, il a une profondeur de banc. Eh bien, aujourd'hui, vous avez vu, ce déclic, comme on dit, le déclic psychologique. Et il y a eu un fait, Mamar. Il y a eu un fait de jeu, Hakim, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a une grossière faute de Sadio Mané sur Sangaré qui devait prendre le carton rouge. Oui. Alors aujourd'hui, je voudrais me pencher sur la VAR. Mamar, vous étiez en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez le même regard que nous ici, à Alger. Est-ce que pour vous, la VAR est vraiment le point noir jusqu'à présent de cette Coupe d'Afrique des Nations? Parce que vous l'avez dit, l'organisation est au top, les pelouses sont au top, tout est parfait, tout est fait pour que cette compétition soit une réussite. Oui, mais la VAR, c'est un peu la petite tache sur une chemise blanche, la petite tache noire sur une chemise blanche. Alors, je ne sais pas, moi je vais rester sur la VAR concernant notre équipe nationale. Moi je dis, sur les deux matchs, la VAR, on a été trahi par la vidéo assistance. Vous sifflez pénalty contre le Burkina Faso à la 11e minute de jeu, ça vous donne un autre match. Le pénalty contre la Slimani, contre la Mauritanie. Le pénalty qui a été accordé hier à l'Égypte, quand on voit le pénalty accordé à l'Égypte, où l'arbitre revient à la VAR sur une charge qui est sur un geste naturel. Ouais. Aujourd'hui, on voit Sadio Mané qui met les crampons sur le tibia du joueur, mais qui ne prend rien. La vidéo assistance, elle est censée aider les arbitres à prendre leurs décisions. Minimiser les fautes. Diminuer les injustices, parce que c'est une injustice. Donc, on l'a vu sur certains matchs, ça n'a pas fonctionné. En revanche, moi je trouve qu'il y a eu de très bons trios d'arbitres. Oui. Ça a été dirigé vraiment, ça a été très bien sur le premier tour. Et également sur ce qu'on est en devoir sur ce second tour. Maintenant, je vais prendre juste... Sauf celle d'aujourd'hui, Sadio Mané. Sur le match... Honnêtement, c'est vraiment... Flagrant. C'est flagrant. Hein, pourquoi je dis ça? Même les erreurs... Ça se posait des questions aussi. Non. Pourquoi ils ne reviennent pas à la VAR alors qu'il y a une grossière erreur? Alors, y a, par exemple, Acho, on lui a posé la question. Pourquoi vous n'êtes pas revenu, vous n'avez pas à l'arbitre, vous n'avez pas appelé l'arbitre? Il dit... On ne m'a pas donné les images... Pour revoir. D'accord. Voilà, c'est l'explication qu'il a donnée. Moi, je vous la donne comme elle a été donnée. J'ai pu le lire. Telle qu'elle. Alors, ça c'est grave, Mamma. Ouais. Parce que quand on fait un match avec les moyens qu'on met maintenant, vous connaissez, c'est les groupes qui travaillent dans l'audiovisuel. Comment on peut pas... C'est un groupe portugais, de toute façon, qui est lié à la Confédération. Qui est lié à la CAF. Celui qui était là aussi... Qui était là pendant les Jeux méditerranéens. La finale du CHAN. Non, toute la période. Voilà. Mais ce qui n'est pas normal, comment on n'arrive pas à donner les images? C'est ça l'interrogation. Parce que quand on voit une faute comme ça, on dit ils m'ont pas donné les images. C'est vrai, s'il n'a pas reçu de message, d'images. Mais c'est à la vidéo assistance de l'appeler et de lui dire qu'il y a une grossière erreur. Non, mais la vidéo assistante dit qu'il n'a pas reçu les images. Mais c'est pas possible de ne pas recevoir les images quand on est sur le cas de la VAR. On a les images en instantané. C'est ça. C'est ce qu'on lui a pas redonné. Bon, moi je vous dis ce qu'il a dit. Oui, bien sûr. C'est les faits rapportés. Mais le fait est là. Ça, c'est la vidéo assistance. Ça a été. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, la VAR ne fonctionne pas comme il se doit, comme elle devrait. Vous étiez là-bas, nous on était ici. Il n'y a pas un match où un arbitre qui nous a arbitré a sollicité la VAR. Ah oui, ça c'est aucun match. Bon. Mais j'étais au commentaire à la radio et vous comprenez à peu près. C'est pas normal qu'ils reviennent pas à chaque fois sur des décisions litigieuses. Toutes les actions, il n'y avait pas pénalty. Mais au moins, on va voir un match. Le but encaissé contre le Burkina Faso, ça se joue vraiment. C'est-à-dire, à l'œil nu, vous ne le voyez pas. Il faut vraiment revenir à la vidéo assistance au talon pour comprendre que le talon de Issa Mandi remet en jeu le joueur burkinabé. C'est très compliqué à avoir. Bon, ils sont revenus à l'avoir. Et il y avait but. Le but était valable. C'est là où je dis, c'est très bien d'être venu, parce qu'en football, il faut être fair play, il faut accepter. Exactement. C'est ça le foot et c'est ça le sport.
Donc, il y avait but, il n'y a aucun problème. Mais dans le même temps, pour une faute, à la 18e minute de jeu, il y avait un plaquage dans la surface de réparation. C'était plus du rugby que du foot. Oui. Bon, l'arbitre, la VAR ne revient pas. Je ne dis pas l'arbitre. La VAR ne revient pas. Ça reste incompréhensible. Ça reste. Et c'est vrai. Un point d'interrogation sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'un des points faibles. Mais sinon, pour l'arbitrage, sur le terrain, lui-même, il est excellent. C'était très bien. Excellent, ouais. Et notamment, on vient de me dire, Mohamed, que Koulibaly vient d'inscrire le premier tir au but pour le Sénégal. Très bien. Et je voudrais également féliciter nos deux arbitres. Ouais. Oui, Rorbel et Gamouet. Et Gamouet. Qui ont fait deux super matchs de main de maître et ils méritent sa mérité. Tout à fait. Ça mérite d'être félicité, souligné. D'ailleurs, j'espère, puisque l'Algérie n'y est plus, qu'on les verra en finale, qu'on verra un de nos arbitres en finale. En demi-finale. Voilà. Alors, rapidement, messieurs, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On va se projeter sur les matchs de demain. Mali, Burkina Faso. Un pronostic. Ça, c'est les voisins qui s'affrontent. C'est les voisins. C'est un derby. C'est deux styles différents. C'est un derby. Qu'est-ce que vous dites? C'est deux styles totalement différents. Un petit pronostic différent. Ça va être très compliqué. Alors, le Burkina Faso avec Vélune. Je rappelle que le Burkina Faso, dernière édition, ils ont terminé la 4e place. C'était un local qui entraînait le Burkina Faso, les étalons. Vélude arrive, il dit, moi, je vais faire mieux. Mieux, ça veut dire qu'il veut terminer sur le podium. Sur le podium. Et ça passe par une victoire contre le Mali. Alors, le Mali, c'est une grande interrogation. Dans les catégories de jeunes, ils brillent. Ils sont excellents. Quand ils arrivent en senior, on les cite toujours, on dit le Mali outsider, ils vont aller très loin, mais ils n'arrivent pas à dépasser, à atteindre une demi-finale. Voilà. Ouais. Et les deux dernières éditions, ils sont sortis en huitième de finale. Huitième, oui, c'est huitième généralement ils sortent. Il restera un match pour connaître. Il y a un truc qui est important, c'est deux styles différents. Le Burkina, c'est une équipe qui est solide, coriace, costaud. Et les autres, c'est des gens qui manipulent. Les Maliens jouent bien au foot. Au football, c'est plus technique. C'est plus technique. Ouais. Les Maliens m'ont impressionné lors de leur victoire contre l'Afrique du Sud. Ouais. J'ai trouvé une très belle équipe du Mali. Par la suite, c'est devenu un peu plus poussif. Et encore l'Afrique du Sud qui rate un pénalty. Ouais. Contre... C'est vraiment... Exactement. C'est... Et il restera un dernier match demain à 21h. C'était Persito qui avait raté. Persito, exactement, le joueur du Ahli. Et le dernier match, ça sera l'Afrique du Sud, justement, vous en parliez, Mohamed Jobor, face au Maroc. Donc, pour toute... Afrique du Sud-Maroc, je rappelle que l'Afrique du Sud avait gagné... face au Maroc, ils étaient dans le même groupe. Dans le même et groupe les Sud-Africains de qualification. Les avaient battus. Et cette Afrique du Sud, avec un entraîneur, Brousse, qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, est capable de réussir un coup face à une équipe qui est en train de monter en puissance, l'équipe sud-africaine. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On arrive à la fin de l'émission. Je rappelle juste qu'au moment où on se parle, le Sénégal mène 2-1 au tir au but face à la Côte d'Ivoire, au Pays Hôte. Donc, on aura les résultats. Égalisation, au moment où je vous parle de la Côte d'Ivoire, ça va très vite sur cette séance de tir au but. Donc moi, je vous dis merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèles au programme d'Al24 News. On se retrouve lundi prochain pour les quarts de finale et les demi-finales. On fera le point, le débrief de toutes les rencontres. On vous fera vivre cette CAN comme si vous y étiez. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Bonne soirée, au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم ميبيليس معا نصنع المستقبل